Tu aimerais farmer des moelles cristallines rapidement pour pouvoir élever ta petite Sayu, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo route de farm afin que tu puisses piller des petites moelles cristallines rapidement et en grande quantité. Comme on a pu constater dernièrement grâce aux annonces, eh bien dans événements, essayer ça, adopter, on peut se rendre compte déjà de la prochaine bannière temporaire avec Yuemiya, Sayu, Diona et Shinyan. Mais surtout, on se rend compte que lorsqu'on essaye Yuemiya, eh bien on obtient des herbes à sanglots, donc les fameux matériaux qu'il va falloir avoir pour pouvoir élever Yuemiya. Mais ce qui nous intéresse surtout ici dans cette vidéo, c'est ceux de Sayu, et on se rend compte que officiellement, eh bien on sait que ce sont les moelles cristallines qui vont nous permettre d'élever la petite Sayu. Donc, comme on peut se rendre compte, eh bien, je n'ai aucune moelle cristalline dans mon inventaire. Donc, à la fin, ça sera le total des moelles cristallines qu'on obtiendra durant cette route de farm que je vais te proposer aujourd'hui. Il y aura un minimum de coupures, ça sera des phases d'accélération plus qu'autre chose pour que tu puisses suivre de A à Z la route parfaitement. Donc pour la première route, on se retrouve ici à Tatarasuna, tu te mets exactement ici et on va commencer tout de suite la route de farm. Allez, on se met en position, c'est parti, vamos. Allez, on enchaîne directement avec celle-ci, ensuite on va en contrebas, ici, ici, vous en avez une ici aussi, là, et on traverse, hop là. Normalement déjà dans cette première route on en aura à peu près 13 normalement. Hop là, donc là on a tout ramassé, tout va bien, c'est parti, on enchaîne. Et on va directement à gauche là-bas pour aller chercher la dernière moelle cristalline qui se trouve ici. On enchaîne directement, on va aller là-bas. Dès qu'on y est, on va enchaîner directement sur la droite. Et on va sauter. On en a directement en dessous de nous. Une ici. Une là. Une là. On en a une tout en haut. Voilà. Ensuite, on vole. On descend. Hop, une ici. Une là. On remonte. On peut apercevoir deux moelles cristallines ici. On va aller les chercher. Une là, une là. On vole jusqu'à là-bas pour aller chercher les deux autres. Et on aura quasiment terminé cette petite route. Hop là. Une là. On a failli mourir. Et... s'il veut bien le petit Benti. Une là, ok. Ensuite on va essayer de voler jusqu'à là-bas, mais ça va être un peu compliqué. Il y en a une sur la droite comme vous pouvez le voir. Hop là, une là. On a terminé pour cette petite route. On enchaîne, on respawn ici. Dès qu'on y est, on va directement sur la droite. On saute en contrebas et on va aller chercher cette moelle ici. Une, deux. Une là, une ici aussi. Normalement, il y en a une à gauche si je ne me trompe pas. Et apparemment, je me trompe. Donc, on enchaîne. Il y en a bien une ici, voilà. On enchaîne tout droit ici. Une là. Une là. Et direction... en contrebas pour aller chercher les dernières. Une là. Une ici, voilà, c'est bien ça. Je sens qu'il y en a une tout en haut, voilà. Une là aussi. Hop. Et on a oublié celle-ci. Voilà. Dès que c'est fait, on va à gauche. Et vous en aurez une dernière à droite. Puis à gauche, ici. Voilà. C'est fini. On enchaîne. On va retourner à ce spawn-là. Dès qu'on y est,
Toujours pareil, on va en contrebas, mais cette fois sur la gauche. Donc là, on va aller chercher celle-ci qui se trouve à droite. Si Benty veut bien. Hop là. Se trouve ici. C'est la seule. On peut aller chercher les autres qui sont complètement sur la gauche. En contrebas. Vous en avez une ici. Vous en avez une ici. Ensuite, on monte. Vous en avez une ici. Et le reste se trouve, encore une fois, en contrebas. Excellent. Voilà, une ici. Une ici. Et la dernière là-bas. Voilà, vous avez terminé. On enchaîne directement sur cette route de farm. C'est parti, on se TP au donjon. Dès que vous êtes au donjon, vous allez dans cette direction. Vous en avez une ici. Vous montez ici. Et vous en avez juste une derrière. Voilà. Ensuite, vous allez là-bas. Vous en avez une ici. Une là. Une ici aussi. Ici. On se prend le tonnerre pour le plaisir, évidemment. Vous en avez une là. Oula, quasiment KO. Une autre là. En haut. On en a une là-haut aussi, non? Une autre là-haut. Et on a fini. Allez, on enchaîne directement sur les suivantes qui se trouvent du coup de l'autre côté. À l'aide de notre petit Benty, on va voler jusque de l'autre côté. Oh, vous en avez une devant vous. Une autre là. Ensuite, vous en avez une devant vous. Et vous avez une ici. Vous avez terminé. Ensuite, on enchaîne directement sur la dernière route directement à pied. Voilà, vous allez directement ici. Vous en avez une là. Une là. Vous skippez le mob. Une là. Une ici. Vous allez de l'autre côté. On avait une ici. Vous prenez Mona. Si vous l'avez, évidemment. Bon, finalement, on n'en a pas besoin. Et vous en avez une ici. Il se clique. Une ici. Une ici. Et normalement, on revient au début parce que j'en ai oublié une, il me semble. Normalement, on en avait 13 dès le départ. Et là, je crois qu'on en avait que 12. Donc, on va repartir juste au départ. Parce que on en a oublié une. Et qui sait, peut-être que c'est la moelle cristalline qui vous manquera pour élever au maximum votre petite Sayu. Ici, et on a fini, les amis, cette petite route assez express pour le coup. On a mis entre 8 et 9 minutes grand maximum. On va regarder dans l'inventaire combien on a de cristalline. On a 63 moelles de cristalline. Vous aurez donc besoin de faire 3 fois la route afin de pouvoir élever au maximum votre petite Sayu. J'espère en tout cas que la vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile et qu'elle t'aidera évidemment à pouvoir élever ta petite Sayu. Je te souhaite bonne chance pour l'avoir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je te souhaite un bon jeu et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo astuce. Tchuss.